Allez, zoom, nouvelle partie. Chargement. Didacticiel, cliquez pour commencer. Cliquez et déplacez la souris pour regarder autour de vous. Double-cliquez sur le enlove sur le coffre pour la regarder. C'est l'armoire de Narnia? Faites glisser la lettre hors de l'enveloppe. Alors, vous êtes venu. Je savais que votre curiosité l'emporterait. Cette boîte contient les réponses que vous cherchez ainsi que quelque chose d'autre. Une chose soi-disant impossible à construire. Il n'en existe qu'une seule. Elle est la clé d'un pouvoir inexplicable. Ce coffre a été conçu pour la protéger des esprits faibles. Je sais que vous réussirez à percer ses secrets. Vous avez toujours été le plus malin. La clé ci-jointe est mon cadeau d'adieu. Gardez toujours cet oculaire sur vous. Sans lui, vous serez aussi aveugle que les autres. Donc cliquez sur la clé pour la récupérer. Une petite clé de cuivre avec un motif animal. Ok, très bien. Faites pivoter le couvercle pour aligner la serrure. Ok. Glissez la clé dans la serrure. Tournez la clé. Ok, ouvrez le couvercle. Prenez l'oculaire. Donne-moi à manger et je vis. Donne-moi à boire et je meurs. Ah ah! Je la connais en plus celle-là, mais je l'ai déjà oubliée. Donne-moi à manger, je vis, donne-moi à boire et je meurs. Qu'est-ce qui meurt avec de l'eau? Le feu? Si tu nourris un feu et grossis, et avec de l'eau, logiquement, tu peux l'éteindre, même si en vrai, si tu mets pas beaucoup d'eau, des fois ça peut l'exciter, mais ça doit être le feu. Ça doit être le feu. Ok. Alors là, il y a quelque chose qui clignote. Cliquez sur l'icône oculaire pour le retirer. Très bien. Un Gremlins. Mais oui, c'est un Gremlins! C'est un Gremlins! GG! Un Gremlins! Double-cliquez sur la note pour la lire. Ça rend mieux comme ça la lumière à laquelle. Mmh. C'est bizarre. Même pour les autres lives, tu trouves? Ouais. Ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Une énigme. La solution doit être quelque part. Oh là là! Ok, clic droite pour faire un zoom arrière. La réponse est quelque part sur le coffre. Sur le coffre? Quelques-uns de mes vieux livres poussaillés, je ne crois pas qu'ils me seraient utiles. Ok. Et donc ça, on peut. Quelque part sur. Attends, sur le coffre, donc faut qu'on reste là-dessus, il y a la solution là-dessus. Comment? Ah, on peut faire comme ça. Ah, ou alors c'est un truc par là. Est-ce que vous voyez quelque chose, talisman? C'est quoi ça? C'est pour avoir un indice, mais je veux pas d'indice. On peut zoomer. Alors, bespoke safe for the gantry, guild for England, the world reunion, talisman, guaranteed fifth, and fireproof. Donc fire ici. C'est ça peau ressemble à la couleur naturelle, là. À peu Je près. pourrais dévisser ça si j'avais l'outil adéquat. Ok, donc il nous faut un outil. Pour dévisser ici. Alors, comment on fait? Comment on peut faire? Et donc, si j'utilise ça, à quoi ça sert ça? J'ai pas bien compris. Ah, sans lentille, c'était. D'accord, ok. Il faudra une lentille. Maintenant, il faut trouver un outil. Les points d'interrogation, c'est les conseils ne soient pas faibles. Donc, j'en ai pas besoin, on est d'accord. Comment je me déplace? Créer la solution, c'est un livre parce que si tu essaies de lui donner à bouffer, il marchera toujours aussi bien. Par contre, si tu mets de l'eau dessus, ça dépend ce que tu lui donnes à bouffer. Hein. Il y a des trucs à bouffer, tu lui donnes, ça marchera pas. Hein. Ok, donc là, on doit trouver un outil pour dévisser. Il y a quelque chose de bizarre là. C'est normal. Il se passe rien. Bon, là, je pense que cliquer partout, ça n'a aucun intérêt. Mais bon, dans ce genre de jeu. Alors, un outil, est-ce que, genre, on peut aller là-bas? J'ai pas un outil pour dévisser. Tout ça, on s'en fout. Pense à bien cliquer partout. Ok. J'ai pas l'outil. Mais c'est ça, Fire.
Quand tu veux que je fasse? Non, il est mignon l'appart, vous êtes mauvaise langue. Alors. Ah, je peux peut-être faire coulisser. Non. J'ai le droit de me couvrir avec ton... Alors il faut juste que je comprenne. Celui-là, par contre, oui. Mais tu... je ne l'ai pas mis à laver, donc il faut absolument qu'il reste propre pour... Il est propre, c'est et pas froissé. Ah oui, pas froissé. Pourquoi tu prends pas... Et un dindon de Nayos Nayos qui nous dit parce que voilà, bisous. Merci beaucoup. Il y a ma petite veste de, derrière, si tu veux. Mais c'est parce qu'elle est sous mes fesses. Non, là, sur le... Là, sur ah oui, le... c'est une vraie veste. D'accord. Tu peux aussi faire glisser des trucs comme les puzzles, super chiant. Donc, on est d'accord que la réponse, c'est Fire. Donc, Fire, il est là. Donc, par contre, je vois pas... Donc, je pense que ça veut dire qu'il faut arriver à dévisser ça. Maintenant, il faut trouver un truc pour dévisser ça. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que... Ici... Est-ce que je peux reprendre la clé ou pas? Apparemment, non. J'ai du mal... Pour l'instant, j'ai du mal à comprendre... Qu'est-ce que je peux faire? Mais non! Je veux aller dessus. Alors. C'est pas ici la réponse. Ah. Donc là, il n'y a rien de spécial. On a eu la fameuse clé. Ici. C'est bizarre parce qu'à la fois, ça donne un sentiment de liberté, mais il n'y a rien qui répond. Alors, attends, j'aimerais revenir ici. Ah, très bien. Une serrure avec une forme étrange. Donc, il va falloir trouver quelque chose avec cette forme-là. Ok. On va voir si on a d'autres endroits. Alors, comment tu zoomes ici? Là, tu peux rien faire. Donc là, ça doit s'ouvrir après. Est-ce que je peux regarder en dessous? Je sais pas. Mais attends, déjà, on va regarder ici. C'est bizarre. J'arrive pas à savoir où je peux zoomer, où je peux... D'accord, et ça me remet ici. Non, mais ça me rend dingue. Hein. Ça me rend un peu dingue. C'est sympa, mais... Donc, toujours pas l'outil adéquat. Bon. Et pourquoi je peux pas reprendre la clé ou prendre... Ah, attends, peut-être que si, je peux peut-être... Je comprends pas comment il fonctionne le jeu. On va essayer le pied de la boîte, j'ai voulu essayer ça. Mais là par exemple je suis bloqué, je peux pas tourner. Pourquoi je peux pas prendre ça? Là ici ça, regardez, c'est magique. C'est magique, cette boîte n'est pas attachée. Ici non, est-ce que je peux aller voir? Ah, je peux aller voir ici. Ok, oh le feu! Oh le feu! Le feu, le bois, le nourrit, mais l'eau l'éteint. Je devrais peut-être appuyer dessus. Ah là là. Objet trouvé. Ah, c'est magnifique. Ok, cliquez sur l'icône de clé dans l'inventaire pour l'examiner. Une clé magnifique, où peut-elle bien aller? On se demande. Hein. Non. Bah, rentre pas. Ok. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a chopé? Une jolie plaque de métal gravée. On dirait que le bout pourrait servir à dévisser quelque chose. Ah bon, on se demande bien ce qu'on va pouvoir en faire, dis donc. On se demande bien ce qu'on va pouvoir en faire. Ok. Je galère tellement à... Ah, voilà. Hop. Hop. Alors, dévisser, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ah, magnifique. Et du coup, j'ai perdu mon tournevis. Une lentille. On dirait qu'elle rentre dans l'oculaire. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu! Oh mon dieu! La drogue! Il
D'accord, ça fait un petit peu peur. Donc là, on a... Tac, tac, tac. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ça? Là, il a mis ses doigts. Ok. Alors en bas, qu'est-ce qu'on a? Je peux retourner? Je peux zoomer en bas? Ouais, on a le feu. Du coup, on peut voir les autres pieds aussi? Ça sent rien qu'on a appuyé dessus, non? Voyons voir, là il y a autre chose. L'eau, il ne se passe rien. R, il ne se passe rien. Donc on a un petit serpent tout droit. On a ça, qui a probablement une utilité. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça a un rapport avec ça? Probablement. Tac, alors c'est... Trois petits camemberts, trois gros camemberts. En haut, t'as ma signe. Ah ouais, il y a des trucs ici. Alors. Oh, attendez, j'ai vu quelque chose au loin. J'aimerais retourner sur la vue. Comment tu fais? Regardez là-bas, il y a des choses aussi tout au fond. Je sais pas comment on peut aller voir. Là, il n'y a rien. Là. Donc là, je pense que c'est pareil, c'est trois gros camemberts, trois petits camemberts, mais avec... avec un signe comme ça avant. Alors, ça censé représenter quoi? Donc oui, on l'a ici. Donc c'est ça. Donc en fait, ce qui manque, c'est ce signe-là en dessous. C'est ça? Non, c'est directement relié. Alors, à quoi ça sert? Là, il manque potentiellement le même signe ici. Ah, quoi que non, regardez en bas, on a... Bah non, c'est ça, on a toujours ce signe-là. Trois gros, trois petits. Ah, qu'est-ce que ça représente? Yogoran! Alors, qu'est-ce que ça représente? Ce camembert. Et là, on a plein de signes ici aussi. À quoi ils servent? Poum, poum, poum. Est-ce que... Non, on peut rien faire dessus. Et on peut pas prendre la boîte, la mettre là-dedans? Non. Clique partout, tu verras bien. Super. Ok. Ah mais il y a une nouvelle clé ici. Ah mais je peux reprendre ma... Ah mais oui, je n'avais pas vu qu'il y avait deux serrures. Tu veux bien retourner? Merci. Ah. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que ça dit? Attends, ça m'a dit quelque chose. On dirait qu'il pivote, mais aucune marque n'indique la bonne position. Je dois chercher ailleurs. Ok. Ah, là, je bouge la fenêtre du jeu. Donc, est-ce que là... Ah, ah, crène, les symboles, c'est un exemple. D'accord. Quand je peux les faire pivoter? Comment ils disent ça pivote? On dirait qu'il pivote, mais aucune marque n'indique la bonne position. Je dois chercher ailleurs. Mais ça pivote pas. Tu me dis, on dirait qu'il pivote, mais il pivote pas. Ok. Donc ici, c'est rien passé encore. Alors, oui, il y a des nouvelles marques ici. Ah voilà. Mais comment je fais pour la pivoter? Parce que ouais, c'est très bien, mais... je comprends pas comment faire pivoter en fait. Donc oui, ok, je vais faire le machin, très bien. Mais j'aimerais comprendre comment faire pivoter.
S'il te plaît, je peux t'aider, Crane, Crane. C'est quoi, vous castez? Dès que j'ai compris comme... Ah, ça y est, celui-là, il pivote. Ok. Ça voulait pas avant, je sais pas faut pourquoi. Faut maintenir. Non, comme ça. Ouais. Ok. Ah oui, bien sûr. Ah bah oui. Ah bah oui. Tiens, tiens, sortons ça pour l'examiner de plus près. Chapitre terminé. Parfait. Belle progression, mais croyez-vous vraiment avoir fait vos preuves? Voilà, j'ai fini le jeu. C'était bien. C'était bien. Très très bon jeu. J'ai adoré. Ça n'a pas l'air très user-friendly sur PC. J'avoue que là, c'était ma plus grosse difficulté, c'est d'arriver à savoir comment cliquer, comment tourner, tout ça. Crane, c'est des cercles en scénario, il fallait faire le bon script pour les faire tourner. C'est long ça. Allez, continuez. C'est l'histoire d'une boîte dans une boîte dans une boîte. Ah ah. Oh, c'est cool si c'est ça, moi j'aime bien. Ces trois cadenas m'empêchent d'accéder au contenu de la boîte. Très bien. C'est vrai, il doit y avoir un moyen de l'ouvrir. Tout à l'heure. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Là, une combinaison. Bon, pour l'instant, on la connaît pas. Donc, on verra. C'est une combinaison à 4 chiffres. Ici, qu'est-ce qu'on a? L'emplacement circulaire semble être lié à un mécanisme à l'intérieur. Très bien. Donc là, on peut faire ça juste pour voir. Ici, il y a 3 petits points. Pourquoi? Là, on voit clairement qu'il y a une sorte de marque qui doit servir à quelque chose. Voilà. Et il y a un bouquin. Un vieux livre au cuir relié. La couverture est richement ornée. Alors, il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi un signe avec 3 blancs. Donc ici, est-ce qu'on peut faire ce signe-là? Ah non, ça doit juste me dire quel est le... D'accord, il doit falloir que je trouve 4 signes. Et donc, au moins, je connais ce signe-là, qui est donc... Voilà, ça, ici, c'est ce signe-là. Est-ce que je peux regarder le bouquin en question? Ok. Ok. Et on a trouvé 11 février. Mes recherches avancent... Attends, je peux le voir. Mes recherches avancent à petits pas. Avec ces instruments barbares, je peine à lire ce qui est écrit. Mais il y a quelque chose entre la terre et le feu, entre l'eau et l'air. Impossible de le voir, mais je vois sa présence. Comme l'ombre de l'objet sans sa matière. Mais elle trahit la forme de ce qui la projette. C'est l'élément final, zéro. Ils donnent leur sens à tous les autres, comme les nombres existants ne seraient rien sans le zéro. Le cercle sont des fous, aveuglés par leur magie noire et leur cupidité. L'objet de l'alchimie n'est pas d'obtenir de l'or, mais ceci. Et donc on a une clé. Une clé, apparemment, ça sert à remonter un mécanisme. Très bien. Reprendre parce que j'ai fait un petit altab involontaire. Ok. Retour. On avait donc ici un trou. Est-ce que... Voilà, très bien. Est-ce que c'est ce trou-là? On va voir. Bon, apparemment, non, c'est pas ça. Donc, on va essayer les autres endroits. Donc, ici, il n'y a rien. Ici, bon, ça ne doit pas être cette clé-là non plus. Alors, cool. Ah! Ah, ah! Allô? Allô, ok? Allô, allô, et Vera? Aloe vera. Est-ce qu'il y a des vrais mots? Oui. 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 Et wick. Voilà, wick. Ça a l'air très bien, wick. Ok, bon, on verra après. Il y aura probablement des mots. Donc ça, c'est une clé normale qu'il faut. Donc celle-là entrera pas, on est d'accord. Et là, on arrive là. Bon, elle a l'air de servir à rien pour le moment.
Pour le moment, ça sert à rien. Crane, pour finir le jeu, apparemment, tu dois regarder le film Le Cinquième Élément. Ah, tiens, ici, j'ai pas testé. Est-ce qu'il y a un trou dans l'œil? C'est chiant. Non. Une plaque avec un œil dessiné dessus, ça n'a pas l'air de bouger. Et au milieu, il n'y a rien? Non, il n'y a rien. Donc, ça ne doit pas être là. Ici, on a toujours les chiffres. On n'a plus le bouquin. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'informations importantes à retenir du bouquin. Donc, il y a des pieds. Non, là, je vois rien. Là, est-ce qu'on doit faire des tests? Est-ce qu'il y a autre chose? Là, il y a un petit rebord, mais non. Là, non plus. Donc, tout ça, on peut rien y faire. Très bien. Là, toujours pas. Ah, c'est vrai que tu as raison, il y a l'oculaire qu'il faut que je... Ah oui, il y avait... Ah, oh, ça, c'est bien, ça. Donc là, on voit un 7, un 5. Mais il y a plein de chiffres. Ah, attends. Hop, hop. Un 2, un 5, un 7. Et en bas, il doit y avoir un chiffre aussi à voir. Mais je ne sais pas comment on peut se mettre. Tic, tic, tic. Donc là, on est d'accord, c'est pour créer... Un... 5... 7, et en bas, j'arrive pas à voir ce que ça peut être. Il y a rien d'autre. Il y avait trois petits points. Ah oui, mais les trois petits points, ils étaient là-dessus. Ok, donc là, la réponse doit être ici. Donc le 5, on est d'accord. Le 7, on est d'accord. Là, le 2, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Mais là, on est d'accord, il y a un 2. Sauf que là, c'est un 0-2 ou ça, c'est rien en fait? Parce que sinon, il y a 5, 0, 2, 7, parce qu'on n'arrive pas à voir ce qu'il y a en dessous. Je peux essayer 5, 0, 2, 7. Attends, c'est où déjà? Je suis perdu. Bah, c'est ici. 5, ah mais non. D'accord, ok. Pum, pum, pum. Ok, donc 5 ici. 2 ici. 7 ici. Ici. Pas 50 000 possibilités. Voilà, très bien. Et donc, on peut faire ça. Ce qui nous a fait ça, ici, très bien. Avec au-dessus une petite note qui nous dit « 11 février ». Mes recherches avancent à petits pas avec ces instruments babards. Je peine à lire ce qui est écrit. 1 sur 7, d'accord. C'est la même chose que ce qu'on vient de dire. C'est l'élément final, 0, il donne leur sens à tous les autres, comme les nombres existants ne sont rien sans le 0. Il y a plusieurs fois 0. C'est ça que sont des fous. L'objet d'alchimie, très bien. Ok, donc ici une viste. Mais apparemment, on s'en fout. Reprendre. Non, je veux pas faire ça. Attends, reprendre. Voilà ça, et je voulais voir ici. Donc on va... Ah mince, j'aurais dû regarder avec le... Ici, il y a une trappe. Qu'on ne peut pas ouvrir apparemment pour le moment, si je fais ça. Si je fais ça. Il n'y a rien. Là, il y a des choses sur le côté. On va les voir. Alors, est-ce qu'il y a un endroit pour remonter un mécanisme? Ici. Il ne se passe rien. Ici. Il ne se passe rien. Là-dedans, j'aurais bien aimé voir ici. Voilà, ça. Alors, non. Ça. Ça sent le brûler. Ok. Alors, on va voir en bas. Ça sent le brûler. Ok, très bien. Donc, il doit falloir... Là, il y a quelque chose sur le côté. Je peux pas voir là, sur le côté? Il y a quelque chose, là. On est d'accord. Non. Pareil, ici, je peux rien bouger. Donc, il doit falloir peut-être une flamme ou je ne sais quoi. Comment je peux faire ça? Ah, c'est, il n'y a pas de mèche pour prendre feu, exactement. Et là, si je referme, ça fait quoi? On peut pas. Hein. On peut plus rien toucher, donc je pense qu'ici, c'est bon, c'est réglé.
Ici. Arrêtez de me dire par contre, il va falloir trouver une mèche. Laissez-moi chercher un petit peu quand même. Donc ça, on est d'accord, on peut toujours pas. Ici, il se passe rien. J'aimerais bien sur le dessus parce que ça se trouve, il y a des trucs. Genre une mèche qui traîne. Ah. Ok, on a trouvé le deuxième signe. Ok. Après, il ne reste plus beaucoup de possibilités là. J'ai déjà oublié ce que c'était, mais c'est pas grave, on va. Bon, c'est celui-là. Donc je l'ai bien. Ouais, c'est bien celui-là. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, il reste que deux possibilités, donc c'est vraiment pas beaucoup d'essais. Hop. Ça fait le tour. Ah, ok. Voilà. On a trouvé une clé lourde en fer. Très bien. Clé lourde en fer qui, j'imagine, je sais pas à quoi elle va servir. Ici, non. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ici, non. Alors. Ah, mais oui, il n'y aurait pas un Z ici. Ah non, c'est dommage, je le sentais. Et à l'inverse. Ce serait marrant que ce soit ça. Mais là, il n'y a pas de Z. C'est dommage, ça faisait 0 à l'envers. Je trouvais ça hyper classe. Un Oreo. C'est pas ça? Alors ici c'est verrouillé, donc il y a absolument qui rentre là-dedans. Apparemment non. Ok, ici il n'y a rien pour la clé. Ça me dit 1 sur 7, il n'y a pas moyen de voir les autres pages? Non. Ok. À mon avis ça, vu que ça doit être fait plus tard, vu qu'il manque des machins, ça on doit s'en foutre. Alors, on va regarder, on va quand même continuer de faire le... Hop, ici il n'y a rien. 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 Un trou en forme d'étoile. Donc il y a un trou en forme d'étoile ici. Ok. On va retourner ici. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Le gameplay me... Est-ce que ça on peut le tourner par exemple? Non. Ici, non. Est-ce que ça on peut bouger? Non. L'une des grosses difficultés c'est de savoir ce que tu peux faire sur le jeu. Donc là on a dit il nous faut la mèche. Donc ici point de mèche. Un trou en forme d'étoile, et si j'y mettais une clé? Bien évidemment. Bien évidemment. Alors au niveau des pièces, qu'on a encore des choses à faire. Donc ici, on a fait le code. Par contre, il n'y a rien ici pour le moment, en tout cas. Ici, donc c'est soit... Ah, attendez, ça... Hop, hop. Ça, ça a l'air d'être un truc qui se tourne, non? Oui. Ok. On dirait un télescope miniature. Un télescope miniature, qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Oh, comme ça. Ah, d'accord. Bon, ça, j'imagine que ça doit aller là. Je peux pas le... Ok, très bien. Tant que le projecteur ne fonctionne pas, je ne vois rien. Parfait. Ok. Ici, il n'y a rien, je pense. Alors ici, est-ce que ça se tournerait pas? Un petit bout de coton, très bien. Ici, on peut mettre ça. Qu'est-ce qui manque?
Non. On a allumé. Ah, il y a ça qui est apparu. Ok. Donc là, c'est Emily. Il fonctionne là, le projecteur. Il fonctionne, c'est allumé. Je n'ai pas été voir ici. Ok. Bon, ça se passe bien. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? À part un truc tout tout chelou. Attends. On dirait que c'est plus compliqué que ce que j'ai vu. L'oculaire va peut-être m'aider. Trial, donc il y a ça qui tourne. Trial. Ça tombe bien. Yeah. Oula. Ah, mais c'est Binding of Isaac. Tac. Et un L. Parfait. Donc j'imagine ici. T-R-I. Bah non, en fait. Tu viens là, toi? T-R-I-A-L. Mais ça va, ça marche pas. Si T-R-I... Ah, bah oui. D'accord, heureusement que je n'ai pas testé toutes les possibilités, hein. Ok. Un cadenas est ouvert, plus que deux à ouvrir. Encore? Ok, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a des nouvelles choses. Donc là, il doit falloir... C'est ça? Non. Ici, alors on va regarder avec ça, il ne se passe rien. Au-dessus. Ah, nouvelle petite carte. 8 mai, McAllister est de retour avec les croquis égyptiens. Le motif se répète. Les Tibétains appellent l'élément zéro. Espace. Les Hindous, éther. Et les Babyloniens l'appellent simplement eau. L'autre direction... Le royaume d'Ishtar. Plus important encore, la présence récurrente du glyphe hexagonal. Le même symbole reproduit dans des cultures séparées par des siècles tout autour du monde. Qui osera me dire que ce n'est qu'une vaine superstition? Lorsque j'aurai distillé le premier échantillon, ils n'en pourront plus nier. Aujourd'hui, les sceptiques ont gagné un partisan. McAllister a démissionné. Très bien. Donc, alors ici. Ne se passe rien. C'est un coffre-fort, mais il manque une pièce. Donc là, il y a des petits trous. Donc on peut rien faire apparemment. C'est un coffre-fort, mais il manque une pièce. Qu'est-ce que tu entends par là? Bon, on verra bien. On trouvera bien un truc qui a un rapport. Ok, alors là. La forme des bombes, mais le trou n'est pas assez grand. Comment ça? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ça sert ça. Tirer. Non, ça doit s'ouvrir par la suite, j'imagine. Ok, donc la forme correspond. On peut pas la découper ou la casser. Ouais. La forme correspond. La forme est bonne, mais le trou n'est pas assez grand. Donc ok. Je vois pas en quoi. Je comprends pas ce que tu veux dire par là. Parce que ça ressemble pas, tu couches pas une clé pour l'ouvrir. Donc là, il y a le truc en bois qu'il faut virer. Ici, il n'y a rien, donc la clé, on l'a pas pour le moment. Donc ici, il se passe absolument rien. Je peux pas tourner. Donc là, il me dit qu'il manque un morceau. Très bien. Bon, est-ce que j'ai oublié des choses? Ici, il n'y a rien. Ici, apparemment, il n'y a rien. Donc là, on n'a rien débloqué. Ici, il ne semble qu'il n'y a rien.
au-dessus. Ah ça, attendez, on peut peut-être faire quelque chose là-dessus. Genre comme ça. Ah, très bien. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? Si je fais ça, il ne se passe rien. Quel est le plan? Ok, là j'en ai allumé un. Donc, trouver la logique. Si j'appuie ici. Ok. Ah, attendez. Vas-y, je suis presque là. Ok. Ensuite, l'autre. Attends, j'y étais presque. Non, 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 dans l'autre sens. Non, non. Ok. Allez, 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 allez. C'est bon. Très bien. Donc là, on a ce fameux symbole. Très bien. Là, on a donc ça qui va là, qui se met comme ça, et maintenant on peut tirer ici. Et ça nous donne une nouvelle clé, objet trouvé, clé du meuble. Donc est-ce que c'est cette clé là? Okay. Qu'on va mettre ici et qu'on va tourner. Donc là, on trouve une étoile qu'on va donc... Ah, regardez, la forme est différente. La forme est différente. On va donc retrouver l'étoile qui est ici, mettre l'étoile dedans, ce qui va nous donner un nouveau texte. 21 juin. C'est une date cruciale, la plus importante de l'histoire humaine. J'ai réussi. Il fallait un sujet humain, j'ai servi de catalyseur. Épuisé par mes recherches, je suis entré dans la chambre sans éteindre le mécanisme. Quand j'ai retrouvé mes esprits, j'avais réussi. L'élément zéro est le plus étrange car il n'est ni énergie ni matière. Mes études ont grandement progressé, notamment sur sa façon de réfracter la lumière. Ce soir, c'est apéro pour tout le monde. Ah, ça c'est cool ça. Ça c'est cool. Alors, on a une magnifique statue qui fait quoi ? C'est une statue qui fait rien, 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 rien du tout. C'est une autre statue qui fait rien, 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 rien non plus. Ah, on a un anneau de cuivre. Et on a... Donc ça doit avoir une importance, on va regarder comme ça peut-être que... Là je ne vois rien. Est-ce que... Ah bah oui, ceci, ça doit être bon. Pour moi ce sera un 102, 2 pastilles 50. Ok. Trop compliqué. Très bien. Deux et trois, très bien. Alors, je suis pas là, deux et trois. Il y a eu un bruit. Vous avez pas entendu un bruit? J'ai entendu un bruit. J'aime pas trop ce bruit-là. Il me fait peur, moi, ce bruit. 2, 3. Ah, c'est bien ce que j'ai fait, 2, 3. Te plaît pas, mon 2, 3? Donc 2. Alors. Ah, rien de nouveau. Rien ici. Rien là. Qu'est-ce que ça a fait? Parce que j'ai fait le bon code.
Ici, il n'y a rien. Très bien. Ici, il n'y a rien de nouveau. Ici, il n'y a rien de nouveau. À quoi tu sers ce code? Et d'accord, j'attends, je vais essayer le 3-2 pour voir. Non, il se passe rien. Et là, il n'y a plus de bruit. Logiquement, attends, moi je vais tous les faire, tu vois. Bon, non, ça doit être 2-3, hein. Vas-y, c'est le bon, là. La clé ne rentre pas comme ça. Alors. Non. Et un dindon de Nix Game qui nous dit « Salut Crane, ça fait longtemps que je suis pas passé sur ton live, ça fait plaisir, un peu de calme. » Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour le dindon. Poum, poum, poum. Donc, une petite barre sur le côté. Donc j'aurais tendance à dire bah pas ça déjà, ou alors comme ça. Non, ça c'est trop petit comme ça. Non, là ça fait trop. Donc probablement comme ça. Et là, il faudrait que ce soit non pas ça, comme ça. Ok, la clé ne rentre pas, donc c'est moi qui fais n'importe quoi. Ah, on peut faire comme ça. Ah voilà, d'un seul coup, c'est vachement mieux, dis donc. Comme ça. Est-ce que là, on est bon, là? Tu en veux pas? Mais si, tu en veux bien. Alors, un nouveau rouage, une plaque circulaire avec une étoile. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Est-ce que tu veux que je la mette genre là? Ah mais oui. Très bien. Salut Chaboté. Merci, maintenant j'ai la chanson de la poupée qui fait non dans la tête. Ah parfait. Ok, le second cadenas est ouvert et on a ouvert un nouvel endroit. Très bien. Faut pas oublier qu'on a un carré là-haut qui sert à je sais pas quoi. Alors ici nous avons ça. Ok. Ensuite... ici, qu'est-ce qu'on a? Très bien. On va regarder un petit peu tout autour. Là, ici, donc il y a la forme pour une nouvelle je sais pas quoi. Ici, je vois rien du tout. Et ici, on a donc une nouvelle énigme. Donc... ça doit nous donner le sens peut-être. Ah bah oui, tout bêtement. Ok, c'est simple. Donc là, le triangle et le carré sont dans le bon sens. Donc ça, c'était le hasard. Voilà, on est bon. Et maintenant, il nous faut trouver celui-là. Voilà, très bien. Ici, on peut donc tirer et on a un élastique et un gros engrenage.